Les sacs de riz ne pèsent pas toujours le poids indiqué. C'est la nouvelle arnaque de certains commerçants. Contre le consommateur, le poteau rose a été découvert par le ministère en charge du commerce. Et puis, pour une nouveauté, elle vient casser les longues files d'attente pour l'imagerie médicale par résonance magnétique IRM. Le centre médical Saint-Camille vient d'inaugurer ce rare matériel médical. Tout le Burkina n'en compte que deux jusque-là. La circulation et la détente d'armes au Burkina répondent à des normes. Pour le moment, l'action de la haute autorité de lutte contre le phénomène préfère la gâchette sensibilisation. Et puis enfin, le cinéma ouest africain cherche la bouée pour se remettre à flot. Des solutions pour pallier les faiblesses que décrit une étude initiée par le FESFACOUR. Voilà qui fait la une de ce journal, ce grand journal. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, une nuit pour célébrer les vertus de l'intégration entre communautés vivant au Burkina Faso et Burkinabé. C'est une première née du Forum national de l'intégration qu'il a porté. Le temps de la célébration, l'on a reconnu le mérite à des personnalités qui travaillent dans le sens de la consolidation de l'intégration. On revoit le film de la soirée avec Bouma Ernest Névier. Après les conférences, les activités sportives et la foire d'exposition des produits locaux des communautés étrangères et burkinabais, voici la grande nuit de l'intégration pour clore en beauté la première édition du Forum national de l'intégration. Une nuit marquée par des prestations de troupes de danse traditionnelles des communautés vivant au Burkina. Au cours de cette dernière activité du Forum, 5 personnes ont été décorées et 25 autres ont reçu des attestations de reconnaissance dénommées Tam-Tam de l'intégration. C'est un geste voulu par le gouvernement pour récompenser ces hommes et femmes pour leurs efforts dans la réussite de l'intégration au Burkina. Cette attestation vient relever quelque chose que nous faisons discrètement, qui a été mis au grand jour. Et nous faisons des efforts pour amener les peuples à se retrouver, à fraterniser et ainsi créer un climat serein de paix et de joie, de fraternité entre les peuples. Cette décoration que je viens de recevoir me va vraiment droit au cœur et ça prouve que l'intégration est vraiment en marche au Burkina Faso. Je souhaite que cette intégration soit un modèle pour les autres pays. Au terme de la nuit, la satisfaction était grande chez les organisateurs. Je pense que c'est le moment le plus attendu pour que les gens se défoulent, s'épanouissent et vivent ensemble les cultures. Je pense que j'ai un sentiment positif pour cette nuit d'intégration. Ce forum de l'intégration, c'était une première et je pense qu'à l'arrivée, ce n'était que du bénéfice. C'était un succès et cela dans l'intérêt de nos populations. Voilà, je crois que nous allons continuer à améliorer pour les éditions à venir. La première édition du Forum de l'intégration est ainsi terminée. Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition qui, nous l'espérons, connaîtra de grandes innovations au grand bonheur des communautés vivantes au Burkina Faso. Voilà, et puis la reconnaissance de la nation qui va cette fois à des membres du corps des forces armées nationales. L'initiative est du groupement central des armées en collaboration avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte du camp militaire Guillaume Ouédraogo sous l'œil des militaires. Le reportage est signé de Jonas Wemba et Bouma Ernest Nébier. Ces militaires se sont illustrés positivement par le travail. Ils sont 688 au total à être décorés dans 4 catégories. La médaille d'honneur militaire, la médaille militaire, la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers et la médaille commémorative. Ces distinctions sont un gage de reconnaissance à l'égard de leur courage, leur professionnalisme et leur dévouement à la nation. Certains récipiendaires ont fait montre de sacrifice de soi au travail à l'intérieur du Burkina. D'autres ont contribué au retour et au maintien de la paix au Soudan et en République démocratique du Congo. C'est donc avec fierté que les bénéficiaires ont reçu leur distinction de leur supérieur hiérarchique. C'était l'occasion pour le commandant du groupement central des armées, le colonel-major Nwaga Ouédraogo, de féliciter ces éléments pour les efforts fournis dans le développement du Burkina.
Ces décorations au camp Guillaume entrent en droite ligne du 53e anniversaire des Forces armées nationales. Le contrôle des importations d'armes et leur utilisation en question, c'est la haute autorité dédiée au sujet qui invite à la réflexion. Autour de la même table, la haute autorité de contrôle a convié fabricants, revendeurs et utilisateurs d'armes avec pour objectif de mieux se faire connaître ainsi que ses ambitions en matière donc de réglementation. Le reportage est signé de Étienne Bassenga. La Haute Autorité de contrôle des importations d'armes et de leur utilisation dévoile ses missions et attributions et sensibilise les acteurs du domaine des armes sur la réglementation en vigueur au Burkina. Pour cette première, c'est l'AFRIMA, l'association des fabricants, revendeurs et importateurs de munitions et d'armes qui était sur les bancs. Durant près de 3 heures d'horloge, c'est presque à bâton rompu que ces deux structures ont échangé sur la problématique des armes au Burkina. Le problème des armes, il faut qu'on arrive à sensibiliser pour qu'on suive la réglementation, pour que ça se... il y ait la sécurité. Parce que si les gens ne suivent pas la réglementation, les gens font dans la clandestinité, ça ne va pas arranger les gens. Et c'est pourquoi nous allons tout faire avant d'aller contrôler les gens sur le terrain. Nous allons essayer de les sensibiliser pour qu'ils aient les documents nécessaires pour que, quand on va aller sur le terrain, qu'on sache où les armes que nous autorisons à rentrer au Burkina, comment les gens les vendent sur le terrain, comment les gens les utilisent pour pouvoir permettre aux forces de sécurité de savoir qui détient des armes au Burkina Faso. Pour cette association, dont les membres sont pour la plupart illettrés, ces genres de rencontres doivent être multipliés. Au regard de la singularité de leur domaine, il est toujours bon de revenir à l'école. Nous sommes très contents et que nous souhaitons que de telles choses se répètent et qu'on puisse échanger sur les différents problèmes que chacun vit au niveau de son service. Mais nous souhaitons qu'il y ait un peu de l'ordre au niveau des autorisations d'achat pour que chacun puisse avoir son pain. C'est donc unanimement que ces deux parties ont décidé de créer d'autres cadres d'échange. En attendant, Dibana Zerbo a invité l'association à appliquer les tests réglementaires, car pour lui, il y va de la sécurité du Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, dans les Hauts-Bassins, les élus locaux vont en apprendre plus sur le code de l'urbanisation. C'est une formation offerte par le ministère de l'Habitat en collaboration avec la Maison de l'entreprise du Burkina Faso. L'ambition est de renforcer les capacités des élus en vue de mieux remplir les missions qui sont les leurs. Le reportage est signé de Kadou Romain Ki et Moumouni Barou. Contrôler et veiller à l'application stricte des dispositions du Code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso. Voilà la stratégie mise en place par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme à travers sa Direction générale du contrôle des opérations d'aménagement et de construction afin de mieux garantir et d'assurer un développement harmonieux et sécuritaire des communes aussi bien urbaines que rurales. Le Code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso, c'est une loi qui a été votée. Bon, pour sa vulgarisation, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a estimé nécessaire d'aller vers les élus locaux et les autorités afin que chacun puisse maîtriser cette loi-là. C'est un instrument de travail qui va nous permettre d'accomplir au mieux les fonctions que nous occupions. Pour le directeur général du contrôle des opérations d'aménagement et de construction, cet atelier qui regroupe une centaine de participants permettra également à la population de base de s'approprier la réglementation en matière de construction. Le constat que nous avons fait effectivement avec les différents acteurs, c'est que le code qui a été adopté en 2006 est méconnu. Et nous avons pris l'engagement sur nous de le faire connaître et de faire connaître les dispositions qui y sont contenues. L'esprit étant que les différents acteurs s'en approprient le contenu et qu'ensemble on essaie de réglementer, de suivre la réglementation qui s'impose à nous tous. Et donc nous avons espoir qu'à l'issue des différentes rencontres que nous avons initiées, le domaine... En particulier, les différents fonctionnements et les différentes erreurs que nous constatons par-ci et par-là, désormais seront considérés comme du passé. Cet atelier d'information et de formation sur le code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso s'étendra également aux autres régions du pays les jours à venir. L'ambition étant de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde par rapport au texte en vigueur.
Question de décentralisation toujours, la vie se fait parfois bouillante au sein des collectivités territoriales. C'est le cas de Arbinda où les populations exigent des sanctions contre leur maire. Les administrés dénoncent une opacité dans la gestion de la chose publique, notamment les parcelles. C'est donc à coup de marches et de slogans hostiles que les habitants de la localité ont exprimé leur mécontentement. Témoignage de Zachary Ilboudo, Mathias Drabo et Viviane Tienbego. Ce vendredi 15 novembre n'est pas jour de marché à Arbinda, mais il y avait foule sous les hangars vides de leurs occupants habituels. Ils sont venus protester principalement contre ce qu'ils qualifient de manque de transparence dans la gestion des parcelles. L'une d'elles, attribuée à une société de téléphonie mobile, focalise l'attention des marcheurs. Ça a été attribué de façon illégale et on ne comprend même pas. Auparavant, cette parcelle était attribuée à une autre personne. Et c'est le maire qui ressort un arrêté pour dire qu'il attribue ça à RTL. La situation découlerait d'une méconnaissance des textes et de l'avis du maire. Le problème évoqué a été résolu. J'ai un comité de distribution de parcelles qui date de 2010. Effectivement, quand on allait chez le haut commissaire, il m'a fait comprendre que comme il y a un nouveau conseil, on doit renouveler toutes les structures. J'ai dit sans problème. On a annulé l'arrêté. L'arrêté de distribution est annulé. Ce qui veut dire qu'il n'y a même plus de problème de parcelle. Les marcheurs n'en sont pas convaincus. Ils demandent purement et simplement sa révocation. C'est la deuxième fois qu'ils viennent remettre leur requête au préfet. Comme réponse à la situation qui prévalait, le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation a jugé nécessaire de faire venir une inspection à la mairie d'Arbinda du 29 au 31 octobre 2013, ce qui témoigne de l'engagement et du souci du gouvernement à préserver la paix et la transparence dans la commune d'Arbinda. Par ailleurs, je vous invite à faire preuve de patience. Si ce qu'ils disent, l'inspection a trouvé, c'est vrai, et on doit me sanctionner. Moi, je ne vois même pas de problème. En attendant les conclusions de l'inspection, la foule s'est dissipée dans le calme, à la satisfaction du préfet et des autres responsables qui ont salué le civisme des manifestants. Sans être tout aussi musclée, la protestation contre l'ensablement du fleuve Mouhoun semaine, ce ne sont pas les arguments qui manquent aux défenseurs de la cause. Protéger l'environnement passe avant les gains de l'orpaillage, car oui, il faut le rappeler, ce sont les activités artisanales liées à la recherche de l'or qui sont pointées du doigt, et c'est la direction générale de l'eau de l'agence de l'eau du Mouhoun qui mène les plaidoyers. Le reportage est signé de Amadou Lougué. Des tonnes de sable abandonnées sur la rive du fleuve Mouhoun par les orpailleurs. Un phénomène qui participe à l'ensablement de cette source d'eau vitale pour les populations. C'est pour attirer l'attention des acteurs sur ces comportements peu recommandables que se tient à Poura cet atelier d'information et de sensibilisation. Nous sommes venus et nous entretenir d'abord avec les acteurs de l'orpaillage de manière à ce qu'ils comprennent que leur activité et n'est pas forcément rentable. Certes, ils vont avoir peut-être de l'or, mais ils n'auront pas de l'eau. Et pour que leur activité même puisse continuer, puisse être durable, il faut d'abord qu'il y ait des ressources en eau d'abord pour l'activité. Il faut aussi des ressources en eau en qualité pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins et en eau potable. À travers des communications suivies des débats, les différents formateurs ont dénoncé les mauvaises pratiques de l'orpaillage et invité les chercheurs d'or à plus de responsabilités. L'orpaillage, c'est une activité de plus en plus développée sur notre commune depuis plusieurs années. Mais sa particularité, c'est les mauvaises pratiques de certains orpailleurs. Le font non loin cours d'eau principal qu'est le Mouhoun et qui sont de nature à polluer les eaux de ce fleuve-là qui nous sert d'eau de boisson et qui peut, si l'on ne prend garde, même être ensablé et être dont le cours considérablement réduit. Comme recommandation, il est demandé aux orpailleurs d'adopter des comportements pour préserver les ressources en eau. On leur demande également de prendre conscience des dangers de cette activité sur l'environnement et leur santé. Des recommandations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Les orpailleurs donnent 3 mois pour faire des propositions concrètes aux autorités locales,
des propositions allant dans le sens d'une exploitation plus responsable de l'or dans les communes de Koura et de Fara. Pour une arnaque, elle pèse sur la balance de l'abus de confiance. Des vendeurs de riz n'hésiteraient pas à faire passer des sacs de 20 kilos pour ceux de 25. C'est le contrôle du ministère en charge du commerce qui a mis la tricherie à nu. La scène se passe à Dori dans le Sénot et le point de nos envoyés spéciaux dans la localité, Zachary Ilboudo, Mathias Drabo et Viviane Tienrebego. Ce commerçant vient de payer son amende. Les contrôleurs de prix du ministère en charge du commerce lui reprochent certains faits, dans la vente du gaz notamment. Prix de 6 kilos à Dori, c'est 2310 francs. Il y a un qui a donné, il y a l'autre qui dit que ce n'est pas comme ça. Donc, eux-mêmes, ils ne s'entendaient pas. Donc, ça veut dire que déjà, il y a eu un doute à ce niveau. La commission vérifie également que le client n'est pas trompé sur la quantité et la qualité lorsqu'il achète à Dori ses produits de première nécessité. Les vérificateurs ont relevé qu'aucun de ces sacs de riz de 25 kg ne fait réellement son poids. Les mesures ont prouvé que ces sacs, les poids varient de 17 à 17,5 kg. Moins 0,5 ou 1 kg, on peut comprendre ça parce qu'avec le transport, tout ça, il y a des déperditions. Les sacs qui ne sont pas conformes, tels que les 25 kg que nous avons trouvés, qui pèsent moins de 18 kg, ces sacs seront automatiquement saisis. Le contrôle a également révélé quelques surprises. On a trouvé par exemple pour le ciment de poids nominal 50 kg, on en a trouvé de 49, 50, de 48, 50, mais de 51 aussi. À Dori, les infractions enregistrées sont de 4 ordres. C'est le non-respect de la publicité des prix et le non-respect de la présentation des factures, c'est-à-dire la facturation. Et dans les boutiques aussi, on a relevé des produits périmés et il y a des produits et de la fraude aussi. C'est un contrôle qui ravit les consommateurs. C'est bien qu'on contrôle. Je dis que le contrôle, là, il faut vraiment que ça soit de façon régulière. Les contrôleurs de prix du ministère en charge du commerce sont à Dori jusqu'à dimanche. Voilà, de toute évidence, les règles seraient faites pour ne pas être appliquées pour le cas de ces commerçants que vous venez de suivre. Or, en la matière, la réglementation est, on ne peut plus, stricte. Elle se retrouve dans le paquet des mesures du gouvernement en matière de contrôle des prix et de la qualité des produits. Un message que le ministère en charge du commerce véhicule à travers le pays. On regarde l'étape de Koudougou dans le Boulkiemdé avec Maxime Zango. Afin de créer les conditions d'une économie émergente, l'État burkinabé a pris des mesures pour rendre le secteur privé dynamique tout en préservant les droits des consommateurs. Malheureusement, ils sont encore nombreux qui méconnaissent ou qui sont mal informés des nouvelles dispositions. Nous allons dans un premier temps démontrer que la loi qui organise la concurrence au Burkina Faso prévoit que s'il y a des difficultés dans le domaine de l'approvisionnement, le gouvernement peut prendre des dispositions pour faire contrôler les prix des produits de grande consommation. Ensuite, nous allons montrer comment on fixe le prix. Parce que pour le contrôler, il faut le fixer. Et puis enfin, nous allons parler de la répression. Le gouvernement qui entend maîtriser les prix appliqués sur le terrain des produits de grande consommation s'est engagé à multiplier les sorties et surtout à insister sur le message afin que les dispositions soient respectées par tous. Le mois passé, les contrôleurs des prix étaient à Koudougou. Effectivement, ils ont eu à effectuer un certain nombre d'opérations de contrôle. Mais il ressort que, en fait, un certain nombre d'acteurs ne sont pas au parfum, donc la réglementation en vigueur. Et je crois que cette rencontre-là va permettre à tout le monde donc d'être informé et de véritablement travailler à ce que donc la réglementation puisse être appliquée. Les procédures de contrôle, les règles de la concurrence, les prix des produits, autant d'aspects donc qui ont fait l'objet d'explications détaillées. Les participants ont saisi l'occasion pour exposer leurs préoccupations pour mieux comprendre la réglementation économique en vigueur au Burkina.
30 ans au service de l'action humanitaire. Après 3 décennies d'engagement, l'Institut Bioforce fait le bilan, un bilan qui entre dans le cadre des activités de commémoration placées sous le thème « Mettre l'homme en capacité d'agir au plus près des besoins ». La cérémonie officielle de commémoration a été placée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale ce jeudi à Ouagadougou. Et le point est signé de Sylvain Bebamba. L'Institut Bioforce entend, à travers cette cérémonie et une série de conférences publiques, marquer ses 30 années d'existence. Le Centre d'expertise recherche-développement en logistique de santé de Bobo-Dioulasso est sa représentation en Afrique et la première hors de France. Le Burkina Faso nous paraît effectivement l'endroit le plus adapté pour créer un Bioforce Afrique, qui sera un centre d'excellence et un centre régional. Nous voulons vraiment faire de ce centre un centre pour la santé publique au sens large du terme, intégrant non seulement les problèmes de santé, mais ces problèmes qui concernent aussi l'eau, qui concernent la nourriture, qui concernent l'alimentation, qui concernent l'hygiène. Cette activité est une opportunité offerte au public burkinabé de découvrir les différentes facettes du monde solidaire et humanitaire à travers allocutions et témoignages d'anciens élèves. Lorsque j'ai fini cette formation, je suis rentré au pays et un mois après, je suis parti sur Haïti. Et tous les ans, pendant 3 ans, je suis parti travailler aux Philippines comme maçon, construire des écoles dans des bidonvilles. La cérémonie anniversaire de l'Institut créé par Charles Mérieux a été placée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, dont le message a été porté à l'assistance par son directeur de cabinet. Permettre aux populations d'acquérir des capacités pour façonner leur propre destin est incontestablement le moyen le plus sûr de lutter contre la pauvreté et pour l'autonomisation des couches les plus vulnérables. C'est pourquoi donc nous voudrions ici renouveler notre soutien et notre engagement envers le travail de l'Institut qui œuvre au renforcement des capacités des acteurs engagés dans la solidarité internationale. L'Institut Bioforce souhaite, à travers cette célébration, partager sa vision de mettre l'homme en capacité d'agir. Je vous le disais en titre, il y a du nouveau au centre médical Saint-Camille de Ouagadougou. Le centre vient d'inaugurer un nouvel appareil d'imagerie médicale par résonance magnétique, ce qui porte à 2 le nombre total dont le Burkina dispose. Son acquisition devrait aider à réduire le nombre des évacuations sanitaires hors du Burkina. Le coût total du matériel est estimé à 1 milliard et cela est l'œuvre de fidèles catholiques d'Italie, Ismaël Diloma Sirima et Aboubakar Sayon pour ce reportage. Avec cet appareil, le centre médical Saint-Camille est désormais à mesure de faire des consultations d'imagerie médicale par résonance magnétique IRM. D'un coût d'environ 1 milliard de francs CFA, il a été acquis grâce à l'appui financier des catholiques d'Italie, notamment les familles Bucci et Caliero. Et les sentiments qui m'animent sont évidemment des sentiments de joie immense. Et pour ce jour qui a été vécu comme un jour de soulagement pour nos populations qui attendaient un appareil IRM. Et l'avantage de l'IRM, il est plus sensible et plus spécifique dans la détection des lésions, surtout dans les lésions du système nerveux central, dans les lésions ostéo-articulaires et même dans le digestif, notamment au niveau du foie. Cet appareil est le 2e au Burkina Faso après celui de l'hôpital national Blaise Compaoré. Il faut déjà dire que c'est peu, mais en regardant d'où nous venons, on peut dire que c'est très très important parce qu'il y a à peine 6-7 mois, on ne pouvait pas faire d'IRM au Burkina. Il fallait se déplacer dans des pays, souvent en France, souvent au Maroc, souvent dans d'autres pays et c'était relativement très cher. L'imagerie médicale par résonance magnétique IRM vient en complément aux appareils conventionnels de radiographie. Et pour une consultation qui nécessite l'IRM, les patients doivent débourser environ 100 000 francs CFA par séance. Le secteur de l'élevage connaît ses difficultés et elles sont d'ordre à perturber la quiétude sociale. À propos du sujet, des élus membres du Parlement panafricain ont séjourné dans la région de l'Est du Burkina du 14 au 16 novembre dernier à Fadangourma et à Matiakwali. Les élus ont visité des aménagements pastoraux, au programme également des échanges avec les populations afin de mieux s'imprégner des difficultés qui sont les leurs. Et le reportage est signé de Kwame Bama, Anna-Lucie Kéré. Nous sommes à Fadangourma.
précisément au marché à bétail qui draine tous les dimanches, des vendeurs et des acheteurs de rumina en provenance de différentes localités du Burkina et des pays de la sous-région. Ces élus membres du Parlement panafricain de l'Union africaine qui se sont rendus plus tôt le jeudi sur le site ont pu échanger essentiellement avec les membres du comité de gestion. Ces derniers leur ont fait une présentation succincte de ce marché sous-régional qui a été construit en 2003. La délégation des parlementaires s'est ensuite rendue le vendredi dans la zone pastorale de Tapoua-Bopo, située à une dizaine de kilomètres de la commune de Matiakwali, dans le Gourma. À Bopo, elle a pu visiter des réalisations telles que le parc de vaccination et une retenue d'eau. Je pense que ça c'est extraordinaire en Afrique qu'on a découvert et ça va nous permettre d'étendre ça dans notre pays en Afrique. On va sécuriser les parcelles et nous allons faire en sorte que là où la nature nous a donné de l'eau, pendant la saison due, la saison sèche, nous faisons en sorte pour que par l'énergie alternative, on renforce ces points d'eau. C'était également une journée d'échange et de partage avec des acteurs directs que sont les éleveurs. Je crois qu'on est en train de démarrer maintenant. Si les parlementaires, même de l'Union africaine, viennent dans nos contrées pour voir ce que nous faisons, moi je pense que c'est maintenant que le développement de l'Afrique va commencer. Aux difficultés soulevées, des responsables et techniciens du ministère des Ressources animales et halieutiques ont fourni des éléments de réponse. Ils ont également porté à la connaissance de l'auditoire les différents actes que le ministère de tutelle pose pour booster l'élevage au Burkina. Il est vrai que les contextes sont différents, mais nous avons eu des suggestions par rapport à nos pratiques ici pour nous permettre d'améliorer certaines questions et justement au bénéfice des éleveurs. L'élevage, comme tous l'ont rappelé, contribue beaucoup à l'économie nationale dans de nombreux pays africains. C'est pourquoi le ministre des Ressources animales et ses collaborateurs comptent sur l'accompagnement des élus nationaux du continent pour le toilettage des textes, leur harmonisation et le suivi de l'application effective de ces textes de loi qui réglementent notamment la transhumance et le pastoralisme en Afrique. L'association française de Kwasanga dans la région du plateau central veut de la visibilité, montrer ses domaines d'intervention pour susciter l'adhésion. C'est dans ce cadre que l'association a invité l'ambassadeur de la France au Burkina à venir voir de visu ses réalisations. Des réalisations, l'association en compte dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de l'élevage. Le point de la visite est signé de Moussaki. L'histoire remonte à 1980. La région du plateau central au Burkina Faso entretient des relations d'amitié et d'échange avec celle des Limousins en France. Ce partenariat est devenu aujourd'hui une association française de Kwasanga qui est le nom d'un village de la commune de Zignaré. Ici, ces amis de la région du plateau central s'investissent dans les activités de production agricole, celle de l'élevage ainsi que dans l'éducation des enfants. Une réalité que l'ambassadeur de la France au Burkina Faso a pu constater. Après en fait des concertations avec les autorités coutumières, après des concertations avec les services techniques, la mairie et la population, nous avons défini une stratégie. Donc ça a duré longtemps, puisque ça a duré 2-3 ans. Ensuite, nous avons cherché les premiers financements pour la mise en place de cette stratégie. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir en fait les résultats obtenus après 3 ans de mise en place des premiers projets. Cette coopération mérite d'être reprise dans d'autres collectivités, d'irriguer l'ensemble du territoire. Et en tout cas, même là où il n'y a pas de collectivité française jumelée avec les collectivités burkinabées, il faut que les burkinabés s'engagent dans la même voie. Ce dynamisme coopératif qui contribue à l'autonomisation et à l'éveil des populations est bien apprécié par le premier responsable de la commune de Zignaré. Pour Jean-Marie Ouédrago, l'amitié franco-burkinabé contribue à une amélioration des vies des populations sur le plan alimentaire et éducatif. Cette relation d'amitié et d'échange entre Limousin et le plateau central a été citée comme un bel exemple lors de la dernière Assemblée générale de la Conférence nationale sur la coopération décentralisée tenue le 6 juin 2013 à Bobo-Dioulasso. Une reconnaissance qui vient davantage motiver ces acteurs du développement local à pérenniser leur action dans la région.
Eux viennent de finir leur formation et n'attendent que de s'attaquer au chantier du civisme et du volontariat. Plusieurs modules étaient à l'ordre du jour du programme de la séance de formation. Elle a concerné uniquement des participants venus des régions du centre et du plateau central. À ce jour, 950 volontaires nationaux sont prêts à mettre leur engagement au service du développement. Le reportage de Claudine Bikaba. Quoi de plus normal que de débuter cette cérémonie de fin de formation des volontaires nationaux des régions du centre et du plateau central par les Titaniers pour réanimer la flamme de la fibre patriotique chez ces jeunes. Venus de plusieurs structures au nombre de 950, ces jeunes ont eu 2 jours pour mieux découvrir ce que c'est que le civisme et le volontariat. La formation est initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi en partenariat avec le GIP-PNVB, Groupement d'intérêt public et le Programme national de volontariat au Burkina. En toute chose, la formation est d'une extrême importance et offrir un projet éducatif à des jeunes qui s'engagent dans une action de volontariat est toujours une très bonne chose pour les permettre d'acquérir des compétences pour être rationnel sur le terrain. Cette formation visait effectivement à outiller ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir les rudiments nécessaires pour pouvoir et participer aux tâches de développement de notre pays, le Burkina Faso. Pour le représentant de ces jeunes, cette formation est la bienvenue. Cette formation, c'est bien parce qu'on est revenu aussi sur le civisme. Et aujourd'hui, les modules sont plus encore, ça concerne encore plus les jeunes, parce qu'en ce sens que ça concerne le leadership et l'entrepreneuriat, et ce qui va permettre aux jeunes, parce que de ne pas rester trop focalisé sur cet esprit de volontariat, comme en se basant sur l'aspect pécunier. Mais c'est la formation qu'on gagne, et ce qu'on gagne en ce qui concerne les qualités intellectuelles, les qualités comportementales, c'est ça qui importe. Cette cérémonie de fin de formation s'est achevée par la remise d'attestation pour motiver ces volontaires à être aptes à accomplir le service d'intérêt public pour la nation. Le secteur du transport burkinabé recherche des indicateurs. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme sectoriel du transport au Burkina Faso. Réunis pour l'exercice, les participants devraient aussi partager les résultats du rapport sur les systèmes de gestion des données relatives au transport. Les précisions sur le sujet est avec Seydou Zon et Bouma Ernest Nébier. Partager les conclusions du rapport sur les systèmes de gestion des données relatives au secteur du transport, c'est l'objectif de cette rencontre entre les acteurs du domaine. Il est attendu des participants leur contribution pour enrichir les résultats de ce rapport. Nous sommes pratiquement à la dernière étape d'un processus. Et comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes dans un contexte où l'urbanisation, les transports, tout se complexifie. Il nous faut des données de dernière génération et c'est dans ce cadre que ce processus a été entamé. Et le Burkina, naturellement, se doit d'être à la pointe dans ce combat. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme sectoriel du transport au Burkina Faso. En décembre 2011, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie, laquelle stratégie s'étend sur la période 2011-2025, qui dit un peu l'ensemble des actions qui seront menées par les différents sous-secteurs au cours de cette période. De cette stratégie est assorti un programme d'investissement prioritaire sur la période 2011-2015 que nous sommes en train de mettre en œuvre à travers le sous-secteur du transport aérien, ferroviaire, routier, maritime, administration. Les travaux devraient permettre d'aboutir à un système de gestion plus efficace des données dans le secteur du transport au Burkina. Au FESPACO, ce sont plutôt des solutions que l'on cherche, des solutions pour pallier les faiblesses du plus grand festival de cinéma en Afrique francophone. Cette étape intervient après celle d'une étude qui a porté sur les forces et les faiblesses du festival et du cinéma de façon générale. Il faut rappeler que l'initiative est du FESPACO lui-même, soutenue par l'Union européenne, et le reportage est signé de Abdoul Rasmane Zango. En dépit de sa notoriété et de son importance indéniable, le 7e art africain souffre encore de nombreux maux qui ont conduit sur initiative de l'Union européenne une étude de 2 mois. L'étude a permis de décrypter la documentation disponible et d'interroger professionnels, cinéphiles et publics au plan local et international. L'enquête est pilotée par 2 experts aguerris du domaine, Patricio Géritic et Lucas Rosante, ici à Limoges,
et a permis de diagnostiquer les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces du FESPACO face à un environnement cinématographique mondial en perpétuelle mutation. Objectif, fournir une assistance technique en vue d'élaborer un plan stratégique de développement du FESPACO. Et ce plan stratégique de développement va jusqu'en 2023. C'est vous dire donc que c'est pour dégager une perspective afin que le FESPACO puisse se renforcer, puisse devenir encore plus performant et éventuellement toucher ses objectifs. Parce que vous savez que nous vivons dans un secteur concurrentiel et très turbulent notamment en matière de financement. Les financements sont de plus en plus rares. Le nombre de cinéastes et de films augmente chaque année à cause des nouvelles manières de produire des films. Donc le FESPACO fait face à des demandes sans cesse croissantes. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un regard d'experts. Un des graves problèmes dont souffre le FESPACO, c'est le manque d'infrastructures, c'est-à-dire de pouvoir proposer des projections de haute qualité. Et c'est un peu le problème qui peut aussi se poser pour le FESPACO, c'est un manque de moyens, hein, qui n'est pas de leur propre volonté, bien évidemment. Ce passage au numérique demande des investissements pécuniers assez lourds. Et eux seuls ne pourront peut-être pas y arriver, et là, il y a besoin de soutien. L'objectif à terme est, prenant en compte autonomie, formation, concurrence et qualité de film, est de faire en sorte que le FESPACO, 44 ans après sa création, satisfasse à la fois professionnels et public africain avant de se frayer une passerelle pour tenter de se mesurer aux autres géants du cinéma mondial, Cannes, Venise, Hollywood par exemple. Contre l'explosion démographique, l'Union des religieuses et coutumiers du Burkina oppose la sensibiliser sur les avantages de l'espacement des naissances. Le mot s'adresse en priorité aux leaders religieuses et coutumiers qui devraient à leur tour le relayer aux populations. L'initiative s'inscrit dans le sens de la promotion de la planification familiale en tenant compte des valeurs socio-religieuses des communautés. Le reportage est signé de Wenyam Achille Kabori. L'Union des religieux et coutumiers du Burkina, URCB, a enfourché son cheval de bataille pour l'espacement des naissances dans le foyer. Et cela pour une raison fondamentale. Malgré la promotion de la planification familiale prônée par l'État burkinabé, le taux de natalité a pris l'ascenseur. Depuis les années 80, le Burkina Faso est en train donc de faire donc la promotion de la planification familiale. Mais il reste que les indicateurs restent toujours faibles et bon, il est démontré qu'il y a toujours des barrières, et parfois socioculturelles et même parfois religieuses. Et donc c'est ce qui a amené notre intervention pour essayer donc de briser donc ces tabous et nous montrer donc au niveau donc des sacs sensibilité qu'aucune sensibilité religieuse ou traditionnelle n'est contre donc la planification familiale. Mais chacun a sa conception du problème de la planification familiale et chacun aussi a ses méthodes qu'il accepte pour effectivement donc accompagner donc la promotion de la planification familiale. Pour certains participants, les problèmes liés à la natalité de nos jours s'expliqueraient par l'usage abusif des méthodes modernes de contraception. Nous avons toujours pratiqué dans nos traditions l'espacement des naissances avant cette ère moderne. Il y avait les méthodes naturelles, mais aussi des talismans pour empêcher la femme de tomber enceinte et la famille vivait heureuse. Maintenant, avec l'arrivée des méthodes modernes, on ne comprend plus. Ces participants devront être des relais auprès de leur communauté pour leur livrer le savoir reçu dans l'optique d'aider chaque couple à adopter la planification familiale dans le respect de ses principes moraux. La toute première structure de formation de la congrégation de l'Immaculée Conception à 50 ans, l'aspira Maria Goretti de Tampui à Ouagadougou, forme des jeunes filles aspirantes religieuses ou non aux questions de développement de la nation. Donc, un engagement reconnu et salué en ce jour anniversaire, une journée de louange et de reconnaissance à Dieu pour le chemin parcouru. Le point sur les festivités avec Touboum Evelyne Dabiri. Ces louanges sont au Seigneur pour toutes les grâces reçues en 50 ans d'activité. Les anciennes élèves de l'aspira Maria Goretti de Tampui, les religieux, religieuses et fidèles chrétiens de Ouagadougou ont célébré ensemble l'Eucharistie en ce 16 novembre pour le jubilé d'or de l'aspira.
Une célébration teinte d'une forte reconnaissance au Tout-Puissant. Ce fut une prière d'action de grâce, une belle action de grâce par l'Eucharistie, la messe, et une prière aussi d'intercession, car nous devons tout au Seigneur, qu'il bénisse vraiment cette œuvre et les efforts qui s'y déploient. Et enfin, c'est une prière d'espérance, car nous comptons sur le Seigneur dans l'abandon et la confiance totale. L'Aspira Maria Goretti, première structure de la Congrégation de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, a durant 50 ans formé des jeunes filles conformément au programme scolaire et aux vertus fondamentales pour qu'elles soient au service de Dieu et des hommes. Et en ce jour anniversaire, le bilan est plutôt satisfaisant. 1687 filles sont passées dans cette maison et 164 sont devenues religieuses. J'ai dit en plaisantant que les hommes nous ont beaucoup pris, c'est vrai. Mais nous rendons grâce à Dieu, parce que ces braves filles qui sont passées par ici, plusieurs peuvent en témoigner, dans leur milieu de vie, dans leur foyer, dans leur travail, elles donnent vraiment un bon témoignage des femmes très engagées dans l'Église et dans la société. Donc nous sommes heureuses et nous rendons grâce à Dieu. Vous n'avez ménagé aucun effort pour faire de nous de vraies femmes, nos époux, nos enfants et nos collaborateurs de service peuvent en témoigner. Cette célébration est aussi un moment de retrouvailles et de souvenirs. Une journée de retrouvailles aussi, voilà que je suis avec des promotionnaires que j'avais trouvé l'Aspira ici. L'Aspira Maria Goretti, créée en 1942 à Guilungu, fut transférée à Ouagadougou en 1958 au siège de l'Immaculée Conception. Mais la croissance continue des aspirants et l'exiguïté des locaux amène un nouveau transfert en 1963 à Tampuy, dans les locaux actuels de la dite congrégation. À Nagrengo, dans le plateau central, gratitude aussi à Dieu et aux manes des ancêtres pour les miracles opérés. Des enfants nés de parents supposés stériles et cela par l'intercession de Elhaj Saïdou Bikienga, guérisseur, l'homme de Nagrengo, tient cette année encore la journée de bénédiction des enfants. Cette 17e journée a vu la participation d'autorités politiques de notre pays, Moussa Ki. Avoir un enfant, c'est le désir le plus ardent d'une femme, d'un couple. Un souhait que beaucoup n'arrivent pas à réaliser. Cette situation peut entraîner parfois le divorce. Mais lui, Elhaj Saïdou Bikienga, permet aux femmes d'être mères grâce à son don naturel. Depuis 17 ans, son travail a consisté à rendre des couples heureux. Et à cette journée dédiée aux enfants qui se passe chaque année à Nangrengo, dans la région du plateau central, les témoignages ne manquent pas. J'ai fréquenté beaucoup de personnes sans obtenir gain de cause. Mais quand j'ai appris qu'il y a un guérisseur du nom de Bikienga à Nagrengo, j'ai accouru. Et aujourd'hui, je suis une femme épanouie, contente avec un enfant. J'ai eu un enfant grâce à Saïdou Bikienga, qui est un bon guérisseur. Je suis contente de lui. C'est une immense joie d'avoir à nos côtés des autorités de notre pays à cette cérémonie. Cela témoigne de l'importance qu'elles accordent à mon travail. Ce que je fais relève d'un don divin. Assises à même le sol, les enfants au dos, c'est une journée qui magnifie la femme burkinabé. Et à leur côté, c'est une autre femme qui se soucie de leur bien-être. Dans notre pays, il y a beaucoup de familles d'enfants, qui font des dépenses, qui voyagent, ont recours à la médecine traditionnelle, ont recours à toutes les options possibles pour avoir les enfants. Et si en venant chez lui, certains ont trouvé leur compte, on ne peut que le féliciter et féliciter les heureux parents pour ce qu'ils ont pu avoir grâce à son aide. L'œuvre de Elhaj Bikienga a permis la naissance de plus de 4000 enfants cette année. Mais au-delà de l'accouchement, c'est un guérisseur qui fait la fierté de beaucoup de malades au Burkina et même à l'étranger. Et puis la page sport de ce journal, la finale de la première édition du tournoi de football unifié à l'intention des personnes handicapées intellectuelles s'est jouée hier au stade du 4 août. C'est une initiative de Special Olympics Burkina. L'ambition est de favoriser l'insertion et l'épanouissement des personnes vivant avec un handicap intellectuel. L'ultime choc a opposé Gawa à Bobo Dioulasso et c'est la première qui l'emporte à l'issue des tirs au but par 2-1. Le témoignage est signé de Abdoulaye Kabori.
coup d'essai, coup de maître. Special Olympics Burkina a réussi le pari de tenir le tournoi de football unifié pour les handicapés intellectuels. Une initiative qui a suscité de l'engouement au stade René Monori. Les éliminatoires qui ont mis aux prises 17 équipes ont désigné leurs finalistes. Ce sont l'équipe de Gawa et celle de Bobo en violet qui ont eu le droit de disputer la partie. Le défilé a été l'un des points marquants de la cérémonie, parrainé par le président de l'Assemblée nationale représenté par le député Mamadou Bénon. En termes de devoir, j'ai été vraiment impressionné, et je vais le lui dire, et à toute la représentation nationale, j'ai été impressionné par la mobilisation de tous les acteurs et les devoirs que nous avons vis-à-vis de ces personnes dites déficientes. Ces devoirs sont assumés en toute responsabilité. Le coup d'envoi est donné par les officiels et on sent déjà les fourmillements dans les jambes des joueurs. Les athlètes de Gawa en noir essaient de prendre le jeu en main. Les violets de Bobo, eux, n'entendent pas céder le moindre quartier. Et c'est sur un score vierge que les deux équipes partent à la pause. La seconde période est la copie conforme de la première. Les filets des deux camps resteront inviolés jusqu'à la fin de la partie. Il fallait tirer au but pour désigner le vainqueur. Et c'est l'équipe de Gawa qui est la plus futée dans cette épreuve et l'emporte 2-1. Gawa vainqueur reçoit les mêmes présents que les 16 autres. Histoire de rappeler cette célèbre phrase de Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Le président du conseil d'administration des Special Olympics Burkina, Eddy Komboigo, se dit satisfait. C'est notre première activité. Nous pensons qu'il y a de bonnes raisons d'être satisfait parce que tout le monde a joué son rôle. Et les jeunes, les handicapés intellectuels ont pu s'exprimer sur le plan sportif et même sur le plan intellectuel parce qu'ils se sont retrouvés avec les autres moins handicapés et n'ont pas démérité. Les innovations, c'est élargir le nombre d'équipes participantes parce que nous avons d'autres sous-programmes qui n'ont pas pu prendre part pour une raison ou une autre. Et nous allons nous atteler à les aider à se préparer pour prendre part à la prochaine édition. On a d'autres activités. Nous allons avoir les jeunes nationaux en 2014 qui se prépareront par région d'abord. Et lors des jeux nationaux, nous avons plusieurs disciplines sportives comme l'athlétisme. Le serment prononcé par les athlètes intellectuellement déficients lors des cérémonies d'ouverture de compétition est « Que je gagne, mais s'il m'est impossible de gagner, que je fasse preuve de courage dans mes efforts. » C'est ce qui a certainement guidé les joueurs pendant ces 48 heures d'opposition. De la musique, ou plus précisément des paroles, le slam est donc dans l'air du temps. La première manche du concours de slam s'est tenue, c'était hier, dans l'enceinte de votre télévision nationale, qui a d'ailleurs l'initiative de la compétition en partenariat avec le Service national du développement. L'ambition est de semer très tôt la graine du civisme et de la citoyenneté parmi les jeunes. On revoit le film de la soirée avec Isaï Parkouda. Et dites-moi, qui ne rêve de voir le rose que sa patrie reflète? Ils étaient 20 candidats en lice à cette deuxième manche éliminatoire de la compétition dénommée « Je slam pour la patrie ». À l'arrivée, 15 sont retenus pour la suite de la compétition. Les différents candidats ont fait montre de leur talent oratoire sur des thèmes autour du civisme et du patriotisme. Dans leurs textes, les slameurs prônent entre autres la tolérance, la solidarité, ainsi que les dialogues de culture et de religion, tout en condamnant le vandalisme et autres mots qui miment la société. Mots qui ont pour nom corruption, détournement des données publiques, pour ne citer que cela. Ils ont répondu à l'attente du SND. C'est ce que nous voulons entendre, que nous avons entendu. Vraiment, c'est excellent. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, la qualité augmente. Ce soir, j'étais vraiment satisfait, en tout cas, de la prestation globale. Les candidats retenus ne cachent pas leur satisfaction. Ils promettent toutefois se surpasser afin d'améliorer la qualité de leurs prestations lors des phases à venir. La manche de ce soir n'a pas été du tout facile et s'encourager mutuellement et surtout persévérer dans le travail pour offrir au public ce qu'il attend vraiment de nous, de l'émotion et du plaisir. Je suis très content d'être passé. Ce que j'ai ressenti, en tout cas j'ai senti que la compétition a vraiment, que le niveau a vraiment haussé. Voilà, les candidats ont beaucoup travaillé. Moi-même, on était obligé de reproduire des nouveaux textes. Vraiment,
on a passé tout notre temps à répéter, on a arrêté toutes les autres activités, comme c'est pour la patrie. Donc voilà, c'est pour la patrie, on se bat donc. La troisième manche est prévue pour le 23 novembre prochain. Quant à la finale, elle est prévue à Dori, dans le cadre de l'activité commémorative de la fête de l'indépendance du Burkina Faso. Je suis très content de me voir. Voilà, Isaïe Parkouda et Sier Sylvestre Da ont donc signé ce reportage sur le slam. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.